À tous, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Haul Action pour vous présenter les achats du jour. On va commencer par ce joli petit carnet de chez Action. C'est un bloc-notes. Il est effet marbré avec du bleu marine, du bleu ciel et des touches dorées. Je vous montre à l'intérieur, c'est liné et il y a cette petite bordure en turquoise. Donc ça m'a coûté 1,99€. Ils disent quoi? C'est du format A5, il y a 96 pages et ça fait 80 grammes. Voilà pour les carnets. Ensuite, j'ai trouvé cela super joli. Ce sont des petites boîtes comme ça. C'est effet transparent, pas miroir du tout. Donc, ça coûtait 1,98€. Ce sont des carrés. Donc, ils sont 16 sur 16 et il y a 3 cm de hauteur. Voilà, j'en ai pris 3. Ensuite, je vous montre rapidement, ceci, c'est des plats à gâteau. Moi, j'ai pris l'effet avec le liseré et j'en ai pris 2. Donc, voilà, c'est des plats de présentation. Au niveau des dimensions, on est sur du 25 cm x 10,5. Donc, c'est 25 cm de longueur, me semble-t-il. Et 10,5, c'est au niveau de la hauteur. Les pieds sont comme ça et ça passe pas au micro-ondes. Donc, ça, je l'ai acheté un peu moins de 4 euros. C'était 3 euros et quelques. Moi, j'ai pris le liseré doré. Il existait sans le liseré aussi. Ensuite, j'ai trouvé ça trop mignon. J'en avais déjà à la maison. Je voulais en racheter pour mes enfants. Vous savez, c'est la petite collection de parfums Disney. Donc, j'ai pris Nemo ici. Dolly, je crois qu'elle s'appelle. Ou Dory, excusez-moi. Ici, on a Anna de la Reine des Neiges. Et ensuite, on a aussi Simba. J'avais déjà le Simba, mais en bleu ciel. Et là, ils ont fait une édition en jaune. Donc voilà, ça a coûté 3,33€ le flacon. Et ce que j'aime aussi, on va pas pouvoir le voir peut-être là, il y a un petit pendentif, vous voyez, à chaque fois une chaînette. Là, on le voit mieux. Je le trouve super mignon. Je crois que c'est du 30 ml. 50 ml. Bon, du coup, beaucoup plus grand que ce que je pensais. Il y a une sorte de tampon plus la petite chaîne et le parfum, ils sentent bon, hein, c'est un aspect frais. Donc, c'est ce qu'ils mettent pour l'école et ils en feront une petite collection parce que je les trouve trop mignons. Donc, voilà. Alors, ensuite, j'ai acheté tout plein de petits paquets de bonbons parce que je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et ça me fait rappeler mon enfance. Donc là, c'est sorti très récemment, il y a un petit pack de 7 et en gros c'est des petits sachets avec différents goûts. On a le goût Coca-Cola, on a le goût citron, on a le goût apple, donc pour la pomme, on a la fraise, on a le multifruit, on a la pastèque et l'orange. On a goûté l'orange, c'est vraiment piquant, vous savez, c'est les bonbons en poudre qui crépitent. Donc ça me rappelle vraiment ma jeunesse et moi quand je les avais, c'était vraiment des tout petits sachets. Parce que là, les sachets, ils sont quand même grands et ça a coûté 99 centimes seulement. Donc j'en ai pris pas mal. 1, 2, 3, 4, 5 et il y en a en réunion. Parce que quand j'en prends comme ça, il y a au moins le double que je laisse aux autres, bien évidemment. Mais celle-ci, c'est des bonbons qui me rappellent mon enfant, je suis pas très bonbon, mais ceux-là je les aime beaucoup. Donc, des bonbons que mes enfants affectionnent particulièrement, c'est les petits mix comme ça de sachets fast-food, vous savez, il y a 20 petits sachets. Il y a des sachets de coca, d'hamburgers, de frites, de pizza, de hot dog, donc voilà. Et ça, ça coûte 1,99€. Voilà, 1,99€ et je m'aurais pris tout ceci. Il y en a 3 au total. Ensuite, j'ai pris ce service à gâteau, vous savez, la spatule et le couteau. Donc voilà, il s'appelle, c'est la marque Excellence Houseware. Et ça, ça m'a coûté 2,29€. Donc voilà, je vous remets le prix. C'est super joli quand on présente des gâteaux pour les servir tout simplement. Et ça ne passe pas au lave-vaisselle, bien évidemment. Ensuite, j'ai refait un petit stock de... vous savez, les sachets de congélation. Donc, celle-ci, il y a 25 pièces. C'est moins d'un litre, donc 900 millilitres. C'est 17 cm sur 20 cm. Et ça, ça a coûté 89 centimes. Ensuite, j'ai acheté la gamme un peu beaucoup plus grande, entre guillemets. Donc là, c'est du 27 sur 30 cm. Et c'est 3,6 litres. Et ça, ça m'a coûté
1,18€. Donc ils sont vraiment pas chers chez Action et du coup c'est de la bonne qualité. Ensuite ça, je l'avais déjà acheté l'année dernière. Ils les ont remis en rayon. Donc j'en suis particulièrement satisfaite et convaincue. Donc c'est de la marque Belvray. C'est antibactérien. En fait, ils disent qu'on l'utilise pour la salle de bain. Mais moi, j'utilise pour toutes mes surfaces, y compris la cuisine, pour nettoyer les tables, le plan de travail, etc. Donc il y a une partie qui est comme ça, avec des longs poils, on va dire, un peu. Et l'autre partie avec des poils courts, tout court, à même l'éponge. Voilà, c'est ça, la double texture. Et il y a trois éponges comme ça. Franchement, je les trouve trop bien, même dans la prise en main. C'est 1,88€ le lot de trois comme ça. Pareil, pour compléter un petit peu la collection de mes enfants, je vous ai dit, ils en mettent un peu tous les jours. Les leurs ne sont pas encore finis, mais... en anticipation, celui-ci, Vaiana, il est à l'orange et là, elle est à la fraise. Donc, il me semble qu'elle est un petit peu teintée parce que déjà, pour le Simba de mon fils qui était à l'orange, il a une couleur orange, mais qui ne donne pas du tout une couleur orange sur les lèvres. Ne vous en faites pas, et c'est conseillé au plus de 3 ans. Et j'aime bien la petite déco comme ça, ça hydrate et ça les rend un peu plus autonomes tout simplement. Ça, c'est 99 centimes. Hein. Ensuite, j'ai pris ces jolis... deux bouteilles qui sont qui font 80 millilitres. Maintenant, je sais même plus. Diffuseur d'ambiance, excusez-moi. Ici, il y a les bâtonnets en noir, donc je trouve ça super élégant. Le flacon qui est strié, comme ça, cannelé. Et ici, vous pouvez sentir l'odeur. Ça sent un peu le citron. J'ai pas vu. Ça s'appelle Élégance. Il y a une gamme aussi en rose. Là, c'était ce qui restait dans le rayon. C'est 2,79€. Donc voilà, j'en mettrai dans ma salle de bain, dans mes toilettes et dans les pièces à vivre tout simplement. Donc voilà. L'appareil, je vous ai dit mon amour pour cela. Honnêtement, il semble trop bon. Je l'utilise au quotidien. Idem, j'en ai pris 5. Ouais, je sais que c'est beaucoup, mais comme je vous ai dit, il n'en reste encore beaucoup plus du double cette fois-ci dans les rayons. Et c'est, vous savez, le spray diffuseur, en fait, pour sentir bon. J'aime trop, c'est un aspect fruité et caramel, voilà, bonbon. Ça coûte 1,98€. Donc, j'utilise dans toutes les pièces dans la maison. Dès que je finis de frotter, que je fais au quotidien, j'en mets partout, tout simplement. Hop, on arrive bientôt à la fin du haul. J'ai acheté ce déboucheur. Il tient plus debout. Voilà, c'est de la marque super fine. C'est pour drainer les... donc, c'est 1,39€. Drainer la canalisation. J'ai acheté aussi ces fleurs. 1,89€. Donc voilà, j'ai pris différentes couleurs et il y en a 20 à chaque fois, 20 bulbes, désolé. Et pour finir, j'en ai pris 3 pour le moment. Ça a coûté 89 centimes, c'est des lampes solaires pour le jardin. Voilà, le haul arrive à sa fin, j'espère que cela vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.